Eh bien, cette vidéo aura deux parties. Les petits bruits que vous avez entendus, les petits bruits de fond, c'est ma chatte John Lennon, qui se promenait autour du clavier et elle a appuyé sur la touche interrompre. Je ne la reprends pas, fidèle à mon habitude, vidéo une seule prise. Et ce sera une vidéo en deux parties. Ça m'aura permis de reprendre mon souffle. Et ça m'aura permis aussi, parce que je voulais vous y glisser cette fameuse citation de Jean Cocteau concernant l'appartement incendié du poète Louis Geoffroy. On demandait à Jean Cocteau si la maison brûlait, qu'emporteriez-vous? Et il répondait, j'emporterais le feu. Alors, j'aime croire que cet exemplaire que je vous ai montré est un résidu de ce feu poétique. Alors, ce que nous disait donc Guy Cabanel, c'est le dénigrement systématique de tout ce qui peut exalter l'homme, de tout ce qui peut l'élever au-dessus de sa condition est devenu monnaie courante. Bien que je répugne à la besogne de boueur, je ne peux éviter d'écarter un tas d'ordures. Et ici, ben, il s'en prend à René Thiam, l'auteur que j'adore quand même. Il s'en prend à lui parce que Thiam établit un parallèle vaseux entre le zen et le surréalisme. Alors, je vous lis un poème de Guy Cabanel. Dès que la nuit tombe à Nuremberg, on ferme les 128 portes car on ne sait qui pourrait entrer si les rues sont noires. Personne ici ne craint les mercenaires étrangers, brigands ou mécréants. Cependant, les voix qui, le soir, semblent sourdre des eaux de la Penhydre comme un nuage de basse profonde, corrompent lentement les rêves en leurs serres sonores. Ces démons-là, Saint-Sébalte, juché sur son escargot, les avait un moment subjugués, mais, enfermé dorénavant dans sa chasse, il perdait peu à peu ses pouvoirs, et ce qui aurait dû rester inerte s'animait, et ce qui aurait dû rester muet parlait. Or, une certaine nuit, les mains des docteurs, évadées du tableau de Dürer, vinrent chatouiller quelques dormeurs. Quelle ouverture avait-il donc omis de clore? Une fente suffisait-elle à leur introduction, chez eux ou ailleurs? Mais plutôt qu'à des démons, n'avait-on affaire à des anges? Un autre tableau de Dürer requérait alors mon attention. Le portrait d'Élisabeth Touchère, dont le visage inoubliable est comme une flamme, une Chine rêvée, tout ce qui l'environne. Or, depuis quelques nuits, Élisabeth vient à mon chevet, veille sur mon sommeil, me murmure à l'oreille des contes délicieux, m'offre son sourire carnassier, ne me quitte qu'à l'aube. Il semble qu'un charme se soit abattu sur la ville. Chacun poursuit le jour ses rêves de la nuit, ses désirs les plus secrets la saisissent. Tout ce qui peuple la nuit, ignorant serrures et verrous, se déverse dans les chambres des humains, terrifiés ou séduits selon qui les visite. Ainsi, une voisine qui ressemblait à Brésaïs fut-elle emportée par le bouillant Achille, et la dame d'en face, aux yeux de biche éplorée, s'éprit-elle de l'ignoble Richard III. Mais pourquoi chaque matin, Élisabeth me laisse-t-elle? Je sens tous les jours plus que jamais que je pourrais la suivre ou que pourrait m'attendre son corps que 500 ans n'ont pas vieilli. Mais il est pour cela une folie que je devrais commettre. Quelle folie, je ne sais encore, et j'ai hâte en même temps que je redoute de l'apprendre. Les cités légendaires, Guy Cabanel, édité par cet ami
Enrique. Je vous invite à aller voir sa page d'ailleurs. www.sonambula.org. Et je vous invite également, si l'ouvrage vous plaît, si les ouvrages d'Enrique vous plaisent, d'aller de vous emporter en acquéreur en passant directement par lui. Et je vous invite également ce soir, 5 mars 2013, place Émilie Gamelin, place aux poètes. Ces poètes, ces poètes, ces vrais poètes qui sont nécessairement pour répondre à la question d'Edmond, ces poètes qui sont nécessairement des politiques. Il me demandait si pour moi la poésie de Miron n'était que purement politique. Pour moi, oui. Miron ne rêvait pas que d'écrire des poèmes. Il rêvait de transformer la vie. Merci et bonne journée. Vous connaissez la suite. Je vous épargne les détails aujourd'hui. Au revoir.